Bonjour, alors pour cette première vidéo, en fait, je vais vous amener au supermarché faire les courses avec moi. Donc, nous voici devant l'entrée du casino supermarché et nous allons faire les courses. C'est parti, je vous amène dans le premier rayon. Nous voici donc dans le premier rayon, le rayon bio. Alors, on pourrait croire en fait que c'est l'un des rayons que... j'ai envie de dévaliser et surtout où on s'approvisionne le plus, mais finalement non, c'est pas le rayon du tout où je m'approvisionne, parce qu'en fait si vous voyez il n'y a que des céréales, quinoa, des galettes par exemple avec plein d'ingrédients et d'additifs. Après il y a les galettes de riz qui sont aussi pas hypé du tout, donc à éviter. Bref, tout ce rayon c'est pas pour moi. Nous voici maintenant dans le rayon des surgelés et donc vous voyez que là il y a un vaste choix pour nous, de vraiment énormément de légumes différents, et encore là je vous montre pas tout. Là il y en a aussi. Voilà, donc, et que des légumes nature. Et en plus j'aime beaucoup cette gamme parce qu'en fait c'est une gamme particulière que fait Casino et qui est certifiée sans pesticides. Je vais vous montrer l'emballage. Par exemple, si on prend les carottes, donc là, sans résidus de pesticides, donc c'est bien précisé. Et donc c'est une gamme très très bien, nature, 100% légumes. Et donc vous avez le choix vraiment de tous les légumes en surgelé. Et donc en fait, ça permet de pouvoir les cuisiner soi-même et de ne pas avoir d'histamine puisqu'ils sont surgelés. Voilà, voilà. Niveau surgelé, nous avons aussi des poissons, un vaste choix. Donc pareil, je prends des poissons nature et surgelés parce que comme pour les autres denrées, à cause de l'histamine, il faut vraiment prendre le plus frais possible. Et donc il n'y a que la surgélation qui arrête le processus histamine. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Il y a du colin, nous avons des filets de limande, du cabillaud, de la sole, là aussi encore on a du saumon, bon pas de thon par contre parce que très riche en métaux. Voilà le saumon, cabillaud, vraiment vraiment beaucoup de choix. Bon, pas les poissons panés non plus, hein, ça on oublie, hein, voilà, mais on remonte, hein. Voilà, donc tout ça vous pouvez, c'est très très bien, c'est très bon. Voilà. Niveau surgelé, nous avons aussi des fruits en surgelé, toujours à Casino, donc un mélange de fruits rouges là. Alors là il y a de la mangue, mais malheureusement la mangue est riche en FODMAP, donc on va oublier. Alors d'habitude il y a, alors est-ce qu'ils ont, ah ben là ils ont des framboises, mais d'habitude ils ont, alors ils ont des griottes aussi. Et attendez, je cherche parce que d'habitude ils ont des myrtilles. Myrtilles, non, là c'est des quetschs. Aujourd'hui ils n'ont plus de myrtilles. Bon, non, ils ont plus les myrtilles, ils ont juste le mélange aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous montrer une myrtille que j'achète d'habitude. En fait, sinon, il suffit d'aller au rayon frais et de regarder si par hasard il y a des dates très très fraîches de myrtilles. Mais bon, ce qui me plaît moins en fait de les prendre fraîches, c'est qu'en général je réagis parce que malheureusement elles restent dans les étals très très longtemps. Et à la différence des viandes, il n'y a pas
de date inscrite en fait. Donc ça peut traîner dans les rayons depuis une semaine et malheureusement mon corps réagit du coup à l'histamine. Voilà, voilà. Me voici au niveau des fruits frais. Donc comme j'ai pas trouvé les myrtilles en surgelé, je vais les prendre finalement en fraîche. Je vais prendre celle-là. Et voilà. Et je vais les congeler, les laver, les congeler dès que j'arriverai chez moi. A priori, ça devrait passer. Elles ont l'air assez fraîches. Voilà, voilà. Nous voici maintenant au rayon des viandes. Donc des viandes fraîches, il y a volaille, veau, viande rouge, il y a vraiment de tout. Il y a un énorme choix, là aussi encore. Et on a aussi derrière, ici, voilà, je vous amène dans le rayon. Là, comme vous voyez, il y a vraiment énormément de choix, toutes les viandes, le poulet, le lapin, dinde. Et donc en fait, moi je prends toujours de la viande biologique et je regarde bien les dates pour avoir en fait le plus frais possible de 24 heures, que la date soit bien 24 heures. Par exemple là, c'est du 22, non. Expédié, voilà, je vous montre par exemple là, hop, expédié le 15 juin 2016. Voilà, donc je regarde les dates, quitte à fouiller en fait pour trouver la date la plus fraîche. Et dès que je rentre chez moi après, je mets dans des emballages plastiques et ça va au congélateur. Tout cela pour qu'il n'y ait pas d'histamine. Voilà, donc je vais au prochain rayon maintenant. Pour ceux qui n'ont pas d'intolérance à l'histamine, la graisse de canard est une bonne chose en fait, parce que ça permet d'avoir un apport en calories, en gras, et qui ne nourrit pas les mauvaises bactéries, puisque je le rappelle, les seuls aliments qui ne nourrissent pas les mauvaises bactéries de nos intestins sont le gras et les protéines. Donc franchement, la graisse de canard, son seul inconvénient, c'est d'être riche en histamine, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'intolérance à l'histamine, allez-y, hein, sans problème sur la graisse de canard. Et aussi, un peu plus loin, il y a les œufs de caille. Alors les œufs de caille, pour quelqu'un qui a des problèmes avec les œufs, peut tolérer les œufs de caille. Donc si jamais vous ne tolérez pas les œufs de poule, essayez les œufs de caille, peut-être qu'ils peuvent passer. Alors au rayon frais, je voudrais aussi vous montrer les herbes là. Bon, là il y a la marque Florette, il existe une autre marque aussi que je prends des fois. Et donc il y a de l'amande, la coriandre, la ciboulette, du basilic. Et ça c'est super parce que ça donne du goût à vos aliments. Donc ça j'en utilise beaucoup. Voilà. Vous avez ici un large choix d'épices et de fines herbes, mais elles sont sèches et malheureusement leur inconvénient est d'être riche en histamine. Donc vous ne choisissez pas cette variété si vous avez une intolérance à l'histamine, mais plutôt la version fraîche que je vous ai montrée tout à l'heure. Me voici de nouveau devant l'entrée, mais cette fois-ci je vais rentrer chez moi là maintenant. J'ai acheté plein de surgelés de légumes, surgelés de poisson, de la viande fraîche, des myrtilles fraîches. Ce que je n'ai pas trouvé par contre, c'est... j'ai pas trouvé de la noix de coco râpée, mais il m'en reste chez moi, donc quand j'arrive chez moi, je vous montrerai mon paquet qui me reste, pour que vous voyez ce que c'est. Et puis j'ai pas trouvé... mais il m'en reste aussi l'huile de coco pour faire les bombes de gras. Me voici donc de retour chez moi. Dès que je suis arrivée à la maison chez moi, donc j'ai empaqueté dans des petits plastiques les viandes que j'ai achetées. Bon là j'en ai juste laissé 4 pour que vous les voyez, mais j'en ai acheté bien plus. Donc tout emballage individuel, et donc après ça va au congélateur, comme ça
pas d'histamine, pas de problème. Ensuite, je vous montre, je fais pareil pour, je me suis acheté, donc là c'est du romarin que je me suis acheté pour plantes fraîches, pour agrémenter mes plats. Alors là, donc là, pareil, les myrtilles que j'ai achetées, je les ai mises dans une petite boîte pour le congélateur. Et là, c'est du persil frais que j'ai acheté. Donc vraiment, en fait, tout ce que j'ai acheté qui n'était pas surgelé, je l'ai mis dans des petites boîtes congélation ou des petites sachets congélation et tout au congélateur. Donc en fait, au final, je n'ai rien comme denrée qui va au réfrigérateur puisque en fait, le réfrigérateur n'arrête pas le processus de l'histamine. Et donc, l'histamine va continuer à se développer et donc ça va vous donner une réaction histaminique si vous ne congelez pas vos produits. Donc en fait, même, je vais vous montrer mon petit réfrigérateur et vous allez voir, voilà, il est vide. Alors, mon étage, c'est, voilà, en gros, le seul produit que j'ai à moi dans ce réfrigérateur, c'est l'huile de coco. Pourquoi je la mets au réfrigérateur? Parce que il fait plus chaud maintenant. Et donc, l'huile de coco devient liquide et j'aime pas trop l'huile de coco en sa version liquide. Je préfère, moi, l'avoir en version dure. Donc, du coup, je la mets au réfrigérateur. Mais tout le reste, donc, n'est pas à moi, c'est mon mari. Voilà. Donc, vraiment, moi, c'est. Toute la partie réfrigérateur, donc congélateur, pardon, donc la partie là en haut. Et comme en fait mon congélateur était malheureusement un peu trop petit et que à cause de mon problème d'histamine, il me faut une place énorme au congélateur, donc du coup, je vais. Oups, on va partir un peu. Voilà. Je me suis acheté un congélateur. En plus que j'ai mis dans mon salon, voilà. Et là, il est mais plein à craquer. Là, voilà, vraiment plein à craquer et encore, voilà, bien bien profond. Donc il y a de quoi mettre, hein. Et franchement, c'est indispensable quand on a un problème d'intolérance à l'histamine, malheureusement. Et je voulais aussi vous montrer, c'était le produit en fait, l'huile de. Pardon, pas l'huile. La noix de coco râpée sèche en fait, que je n'ai pas trouvée, mais qui m'en reste un paquet. Donc voilà, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Et avec tout ça, bah, je suis parée. Voilà. Ben, je vous donne rendez-vous pour mes prochaines courses et puis pour des nouvelles recettes à base de ces aliments ou bien pour vous montrer mes repas une fois cuits. Voilà, bisous!